Hoffman. Il s'est passé quelque chose? Je peux vous faire confiance, hein? Comment ça? Tout ce que je vous dis se passe toujours entre nous deux, pas vrai? Mais pourquoi cette question, Sam? Bien sûr que cela reste entre nous. Vous savez, vous êtes plus qu'un patient pour moi, je vous considère avant tout comme mon ami. Vraiment? Mais bien sûr, nous nous connaissons depuis 33 ans. Je vous ai suivi toute votre vie, alors j'espère au moins que l'on peut se considérer comme des amis. D'accord. Je vous fais confiance, hein. Combien de temps allez-vous le répéter? Je recommencerai plus. C'est quelque chose de terrible hier. Michael? Oui. Bien. On va faire comme d'habitude. Vous allez me raconter toute l'histoire, tout ce qui s'est passé, du point de départ au point d'arrivée. D'accord. Tout commence avant-hier. Moi et Kay, on s'était disputés. Violemment. Il lui avait fait beaucoup de mal. Elle m'en voulait tellement. Elle t'a quitté, comme un homme qui jette ses ordures. Laisse-moi. Je ne veux ni t'entendre, ni te voir. Vraiment. C'est pour cela que tu implores en toi mon aide. Pour rien. Je sais que tu as besoin de moi. Et si je le sais, tu le sais aussi. Ça, toute cette merde, c'est à cause de toi. Tu n'aurais rien fait. Il ne se serait rien passé. Je vis dans le même corps que toi. Si tu le voulais vraiment, j'aurais cessé de la frapper. Mais la vérité est là. Tu l'aimes. Et elle non. Est-ce que tu veux nous aider? Je veux t'aider. Elle t'a fait tellement de mal. Je ressens chaque chose que tu ressens. Ne l'oublie pas. Comment tu ferais ça? Juste une simple visite. Toi, moi, elle. Non. Je sais que tu la tuerais si je te laisse sortir. Et je le permettrai pas. Tu te fous de moi ou quoi, Sam? Toutes ces années passées, moi, toi, ensemble, et tu me dis ça? Combien de mes leçons t'ont servi, hein? Alors maintenant, laisse-moi sortir. Hé, Tu es une merde. Non, sors pas! Arrête-toi!
poser une question. Ferme-la et dis-toi. Je ne ferai jamais laisser une personne. Dis-toi. C'est un peu le sens du mot. Jamais laisser ce que je veux dire. C'est un de de l'intérieur. Tu es une vulgaire petite pute. Tu m'apprécies. Ne jamais laisser une personne atteindre l'un d'entre eux. J'annonce, espèce de vulgaire petite connasse. Michael. Je m'appelle Michael. Mais j'existe, moi j'existe! Je t'ai jamais aimé. J'ai toujours trouvé que t'étais une vulgaire petite pute qui n'appréciait pas mon frère. Sam lui t'aime. Et tu lui as brisé le cœur. Il t'a jamais touché. Je t'ai frappé. Je t'ai fait du mal. Lui t'a aimé. Trêve de parole. Passons à la leçon. La leçon est la suivante, Kay. Ne jamais faire du mal à une personne comme Sam. Lui t'a perdu. Mais toi, c'est maintenant que tu vas tout perdre. S'il te plaît, ne m'en pas faire. Mais qu'est-ce que tu pensais? Tu pensais pouvoir partir comme d'habitude. Mais cette fois, j'ai bien mieux qu'une petite gifle. C'est le début de ton calvaire. Et la fin d'une autre. N'aie pas peur de la mort, Kay. Tu sais, le plus important, c'est pas de réussir sa vie. C'est de réussir sa mort. Et toi, t'as tout raté, t'as raté les deux. Vous l'avez tué? Je me souviens plus. Pourquoi? Comment voudrais-tu te remémorer un souvenir qui n'est pas le tien? Ah, Sam. Te souviens-tu comment tu es arrivé ici?